Hello les gens, j'espère que vous allez bien, ici Ratchet pour Full Game Record. Bienvenue aujourd'hui dans la suite de cette aventure consacrée à BioShock. Nous nous apprêtons à devenir un protecteur, c'est ce qui était demandé dans l'épisode précédent. Et nous nous retrouvons pile poil là où on s'était arrêté. Donc c'est parti pour nous transformer en cette chose. Alors il y a un poste d'amélioration là que j'avais pas utilisé. Chance de casse d'arbalète, d'accord, elle peut se casser. Une ajusteur de tension automatique réduit de manière importante tes chances de casse et quart d'arbalète à l'impact. Hein, d'accord. Portée, augmente la portée. Immunité aux dégâts de lance-grenade. Ah d'accord, ça c'est pas mal pour nous. Amélioration des dégâts pistolets. Bim. Alors on va devenir un protecteur. Par où faut aller, bah, on va fouiller le niveau. C'est ce qu'il nous demande. Allez, on commence par là. Où on monte. Allez, on commence par là, vu que là va nous conduire à là. D'accord, oui, on va fouiller ça d'abord, dans un premier temps. On va aller voir le monde des petites sœurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fossiles. Oh. Vous voyez, un petit côté 20 minutes sous les mers. Nautilus, Captain Nemo, ce que j'adore, Jules Verne. Toi, du côté. La parole de prix. D'accord, 3 phéromones. Allez, c'est parti. On peut passer? Non, on peut pas passer. Oula! 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 J'aimerais bien. Et comment faire pour passer là? Mais c'est quoi ce merdier? On me dit de passer par là, mais ça par là ça marche pas. Attends, y'a un truc qui va pas là, c'est moi qui ai fait une connerie. On peut pas passer ici, si, on peut. Voilà, je suis baissé là. Attends. Voilà. Voilà. Ouais, tu veux me taper. Mais comment faire pour passer? Il y a quelque chose sur la gauche, il paraît. Là, mais c'est fermé. Et non, sur la droite. D'accord, ah, peut-être qu'il faut monter comme ça, ensuite faire comme ça et passer. Voilà. Oh que c'est merdique le système. Oh là là là. Et on va buter les protecteurs. Voyons voir, on a un diapon. Non. Oh que c'est beau. Si. Oh, de la dent, de la dent, de la dent.
que c'est bon. Les filles bien sages savent bien glaner. C'est pas mal ça. Aïe, ouïe. Ouïe. Et là, qu'est-ce qu'il écrit ? Restez toujours près d'un ami. Ah. On va fouiller là aussi. Ça s'ouvre pas. Extra ! C'est moi ! Sansa ! Ta gueule. Ta gueule. Je me réjouis de ne pas être près de toi et de toute cette puanteur. Pourquoi les petites sœurs sont-elles attirées par l'odeur de ces phéromones ? Voilà qui échappe totalement à ma compréhension. Oh là 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 là. When this flesh and heart have ever. Ah, lire le film. Retour plus tard. Allez, en haut, d'accord. I shall possess within the veil. On a vu. Et là. Il y a un deuxième Big Daddy, là. Donc c'est là où les expériences étaient menées. On va voir si c'est possible de l'ouvrir grâce au pouvoir électrique. Non. Et l'autre qui était bloqué. D'accord. On va aller vérifier, hein, vous inquiétez pas. Bon, allez, assez perdu de temps, on va monter rapidement. Est-ce que je peux la taper? Oui. Deux pouvoirs électriques qui s'affrontent. Voilà. Ta. Je sais pourquoi il faut des enfants, mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Les effets de la danse sur eux sont fascinants. Leurs cellules sont remplacées par de nouvelles souches à l'instant même où elles sont endommagées. Ces enfants sont quasi invulnérables. Ah, si nous pouvions faire la même chose avec un adulte, il y aurait un gros marché pour un homme invulnérable. D'accord, donc ils utilisaient les petites filles pour effectuer des expériences, pour essayer de développer une arme, hein. C'est partout la même chose, hein. Il y a un phéromone ici, sur la pièce qu'on n'a pas pu ouvrir, et il y en a un autre là. Et il y a quelque chose d'autre ici, peut-être. Parce que je ne sais plus quelle cellule j'ai pu ouvrir, et quelle cellule je n'ai pas pu ouvrir. Je pense que celle-là. Allez, 3 sur 3. C'est un bon début. Il ne te reste plus qu'à trouver l'armure et le synthétiseur vocal dans les autres laboratoires pour devenir une vraie brute. Vas-y. Voilà, donc il y avait ça. Vous n'avez pas les bonnes cartes en main. C'est trop modifié pour vous en rendre compte. Retournez-vous, ça va chauffer vos mots. Voilà. Il y a combien de petites sœurs dans ce niveau? 3. Donc il y en a une là, je suppose. Pirater celle-là. Parce que je me dis, on sait jamais. Qui peut-on croiser? Perceur de coffre. Hein. Hé, hey, je savais.
salle 2. On n'a pas pu l'ouvrir la salle 2, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, salle 2, il y avait quoi? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait une autre salle aussi qu'on pouvait pas ouvrir ou pas? Non, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. On a ouvert toutes les salles, hein. On a ouvert toutes les salles, c'est tout bon. Allez, on revient. On revient, on revient. Pour aller fouiller autre chose. Allez, c'est parti. Je ne peux pas vous faire de mal, mais c'est parfois nécessaire. Il n'y a pas un autre Big Daddy, là, par exemple, histoire de... J'essaie de réfléchir. Pourquoi refusez-vous? Le parasite déteste le Il y a quelque chose en haut. Comment on fait pour monter là? Ah d'accord. Peut-être par là. Quel est le plus grand mensonge de tous? Quel est le pire outrage fait à l'humanité? Cool. Alors, il y a quoi là? C'est pas mal là. On va aller par là. Mais d'abord. On va voir ce qu'il y a ici. Ouais. Je savais qu'il y a une pièce secrète. Fontaine est mort. C'est mauvais pour Fontaine, mais bon pour Fushang. Si je me fais désirer, Monsieur Ryan sera impatient de me voir. Tenenbaum n'est plus là. Fontaine non plus. Fushang est le seul qui connaisse les petites sœurs. C'est ici que tu trouveras le synthétiseur vocal pour avoir la même voix que les protecteurs. Quelle créature repoussante! Stop! Vous êtes là. Je suis le plus grand des acteurs. Venez! Je veux simplement... Attends! Il y a du sang! Mais pourquoi tu te sauves? Je comprends pas. Tu viens m'attaquer, ben... quand tu viens m'attaquer. C'est quoi cette... cette façon de faire, messieurs? C'est pas honte, hein? Rends-moi ça, c'est à moi, Brigitte. Ah voilà. Je pense que ça va trouver quelque chose. Ah non. Un mirage. Je dois reconnaître que Fontaine a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. C'est exactement ce que je voulais. Et je vous l'affirme, présenté correctement... Je ne l'ai pas tué. Ne compliquez pas les choses. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu veux pas mourir? Bon, ok, on va te geler dans le cas. Il y avait quoi là? Une amélioration, oui. On est full partout là. Ah,
ça qu'on est full partout. Allez, c'est parti, on continue. On va prendre la clé à molette. Qui est fort sympathique. On va aller voir ici. Ah, bon, je me fais très mal en faisant ça. Et le fait que quand ils me le tapent, ils prennent des dégâts, c'est extra. C'est un plasmide vraiment. Une amélioration vraiment, vraiment excellente. Ah, j'ai fouillé partout là, non? Ah, un Big Daddy. Et il y a une caméra. J'aimerais bien la pirater d'abord. Et là, regarde comment on va faire là. On va prendre ça. On va prendre ça. Le napalm. Mon gars, tu vas morfler. Donc on a récupéré ça, la deuxième petite sœur. Il est mort lui. Ah, c'est là. Expert en alarme. Interrompt toujours vos délicats piratages, essayez notre expert en alarme. D'accord. Non. Ouais. Non. Non, non, on va pas le mettre ça. Et là, il y avait quoi? Là, on n'a pas visité cette pièce. Voilà. Ah, merde, je suis en train de crever là. Ok, je me casse. Ça continue? Ouais, ça continue, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ok, on a visité tout ça. Yep, on revient. Viens-toi, encore. Il va pas vu. Ouais, si. Alors, il y a aussi ça à aller voir. Ah, si, on l'a déjà vu, d'accord. D'accord. Ah. Amélioration fortifiante de combat, oui.
On va partir sur quoi? Ouais, subissez nettement de dégâts froid, augmente le bonus de dégâts conférés par les recherches, ou subissez nettement moins de dégâts électriques. Je dirais, pour les photos, c'est peut-être plus intéressant. Allez, je vais mettre ça. Amélioration d'air, forcément. Amélioration de santé, peut-être, 80. Nuée d'insectes. Piratage concentré. Alors, allez, prenez une amélioration de santé. C'est plus intéressant, je pense. Et là, on arrive, hein. Depuis que Ryan a pris le contrôle, c'est là qu'ils construisent leurs horribles golems dignes de Frankenstein. Ils trouvent les éléments de l'armure. Mes petites sœurs. Alors, on va la pirater, elle. Auto-piratage, impeccable. Attention, on va te pirater. Voilà. On va te pirater, toi. Non. Allez, venez, 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 mes chers enfants. Allons démolir du chromosome. Alors, suite assemblée, c'est par là. Pour donc l'assemblage du costume, candidat de conversation, non. Donc c'est par là. Mais voyons voir ce qu'il y a à côté. On va quand même y aller pour checker. Il y a peut-être un build dédié. Ou quelque chose. Peut-être quelque chose d'intéressant là. Les bottes ! J'étais sûr que les bottes étaient ici. Scheiße. Alors. Par anesthésie, les bottes et les protecteurs doivent être livrés ici, pas à la bibliothèque. Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail ? Ce genre de choses n'arrivait jamais avec Fontaine. D'accord, la bibliothèque. Mais t'arrêtes de me faire dessus, toi ? Oh là là, mes tourelles! Oh, mes pauvres tourelles, je les ai même pas utilisées. Là, il y a un Big Daddy là. Là, il y a un Big Daddy, les gens. J'ai bien entendu quelque chose. Va chercher la petite sœur, va chercher la petite sœur. C'est la dernière, oui c'est la dernière, allez on va le suivre. Faut surtout pas lui faire du mal avant. Sur la droite. Bingo. Alors, on va lui mettre des petits pièges. Comme ça, mine de proximité, je vais lui en mettre une. En fait, quand il y a beaucoup de corps, j'ai l'impression, c'est maintenant que je le comprends, en fait, quand il y a énormément de corps dans le niveau, il y a le protecteur qui pop et qui demande aux petites sœurs de récolter la dame. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été... Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, monsieur P. Allez, monsieur P, on va prendre de l'électrique et ensuite on va partir là-dessus. Allez, monsieur P, venez voir. De notre gratitude.
Voilà, et là, on peut fouiller tranquillement. Il n'y a plus aucun problème. Oh là, j'ai... j'ai un peu trop forcé sur la bouteille, là. Regarde le coup d'enregistrement. Le protecteur sent vraiment très... très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution, mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. Sir Ryan. Quel brave type. Il y a un truc qui va pas là, les gens. Il y a un truc que j'ai pas fouillé, peut-être. C'est-à-dire, si on va là, il y a quelque chose sur là. Ouais, c'est ça, c'est là. Ouais, ça. La combinaison de protecteurs augmente de 25% votre résistance à tous les dégâts. Quelque chose vous dit que vous allez en avoir besoin. Vous savez, vous devriez me remercier. Je vous ai fait venir ici. Je vous ai montré qui vous êtes. Ils vous ont tous menti. J'espère que jamais rien. D'accord, y'a quoi d'autre là? Nous allons faire de toi un monstre parfaitement ignoble. Avec un casque et une paire de bottes, nous serons fin prêts. Ok, casque et bottes. Hein. Bibliothèque pour les bottes, hein, bien sûr. C'est pour faire un test, ça ou quoi? Non? Bon. Alors, on a vu ça et il fallait aller sur la gauche aussi. Ah, d'accord. Je pense avoir compris. Quelque chose là, non. On va aller là. C'est pas possible, faut faire le tour. Oula. Un peu perdu. Voilà. À votre place, je prendrai mes jambes à vous. Vous ne trouverez ici que des larmes. Ok. Et voilà le travail. À présent, tu es exactement comme c'est. Oh, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous? Bon, maintenant, les bottes. Piratage génétique. Ouais, c'est... C'est ça! Dénoncez-moi! Est-ce que... Ouais, mais pourtant j'avais visité cette zone, je comprends pas pourquoi elle est bien affichée sur la map et... C'est bizarre, bon bah c'est pas grave. Allez, on va chercher les bottes là alors. On a toutes les petites sœurs de ce niveau, ouais. Donc main hall, non, c'est bibliothèque. Je vais juste aller ou bien... Parfois j'oublie la composition des pilules alors... Je vais juste aller là parce qu'il y avait quelque chose à récupérer, je suppose. Voilà, il y a quoi ici? Fontaine est un salopard doublé d'un monstre, et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur.
faut greffer la peau et les organes du sujet directement dans l'armure, sinon ça ne marche pas. Ryan dit que les protecteurs coûtent trop cher. Ryan peut aller se faire foutre. Bon, j'ai acheté ça pour rien. La biblio, Alors, fontaine cachée, fouiller le laboratoire des environs. Donc, d'accord. Là, je pense qu'on a fini. On va aller par là. Là, c'est bon. Allez, on retourne main hall. Pour aller récupérer les bottes. Les bactéries. Si je fais ça par exemple, ou ça. Merci de la dent, c'est parfait. D'accord. Les glaneuses, y'a quoi là? Nuée d'insectes peut-être? Piratage concentré? 50? Vous subissez beaucoup moins de dégâts de feu, d'accord. Bon, c'est pas un souci. La plus dangereuse nuée d'insectes de tous les temps. Allez, je vais la prendre. Mais je vais pas la mettre pour l'instant. Ou bien. À la place de ça, parce que je ne l'utilise pas beaucoup, donc. Allez, on va utiliser un petit peu ça pour changer, pourquoi pas. On va la pirater. Non, laisse tomber. Alors. Ok, c'est pas la biblio. Mais c'est peut-être par là. Parce que j'ai pas l'impression de. C'est quoi là? Ah d'accord, c'est là où elles étaient. Ok, c'est là où elles étaient. C'était le comment il s'appelle? On va pas la pirater, on va la détruire carrément elle. Voilà. Et enfin la bibliothèque. Où se trouve la bibliothèque? Je suppose que c'est par là. Même si ce n'est pas mentionné. Oui, c'est ça, c'est la bibliothèque. Il y a des livres. C'est forcément une bibliothèque, non? Oh là! Ah, voilà les bottes. Voilà les bottes. On t'a bien eu, sale monstre! Ah ouais? Il y a un autre protecteur ici, je l'entends. Alors, voyons voir ce qu'il y a, chercheur 2. Non, pour l'instant, j'utilise pas. On va prendre les bottes. Oui. Voilà un très beau protecteur. Tu es prêt? Maintenant, dirige-toi vers l'aération près du terrain d'essai pour appeler une petite sœur. C'est juste dommage que. Voilà, je trouve juste dommage que, en fait, les mains apparaissent telles quelles et non pas dans une armure. Mais bon, après, pourquoi pas. On va pas. Je vois qui, Yannick, d'accord. Bon, c'est pas non plus très méchant, mais. S'il te plaît, je te supplie.
mes petites chéries. T'inquiète pas, on va les protéger. Fin du niveau ? Fin du niveau, ouais, j'ai l'impression. Oui. Alors, de retour après un petit chargement. Les petites sœurs te mènent encore à Fontaine, mais tu dois les protéger. Alors, ouais, voilà, est-ce que la map est grande ? Ouais, ça a l'air quand même. D'accord. Allez, c'est parti, on continue. Est-ce qu'il y a des petites sœurs là ? Non. Nous y voilà. La route est longue. Allez, monsieur P. Qui danse dans le ciel. Vite, vite, monsieur P. Monsieur P. Les anges n'aiment pas les probables. Qui veulent un bisou. J'aimerais bien vous lire la nouvelle de ma femme et de mon fils. Oh, pauvre Moïma. Oh, mon petit Patrick Chéri. Allez, monsieur P. Faites-moi vraiment bien avec les bichons. Arrêtez pour moi, alors. Monsieur P. Je fais des anges qui sont dans le ciel. Vite, vite, monsieur P. Object. Donc il y a un test à faire. Ah. Celui-là est prêt à se vider, monsieur P. Elles sont physiquement libérées du besoin de glaner, mais le conditionnement mental de Souchong les pousse à poursuivre leur horrible besogne. Nous ne pourrons jamais expier de ça. Je suis une gentille fille, monsieur P. Il faut y aller, monsieur P. C'était un ange très, très beau, monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. Donnez-moi une dédicace. 6 fois 2 égale 6 trous. Non, monsieur P. Les anges n'aiment pas les trous. Il a l'air. Monsieur P. Comme ça, chérie, vite, monsieur P. On dirait que l'ange danse. Vite, monsieur P. Je
On va essayer d'imiter le Big Daddy, c'est-à-dire en marchant doucement. Il faut y aller, Monsieur P. Ah, Monsieur P, il y a des anges qui veulent un bisou. Vite, Monsieur P. Ah, ça ne fait rien. Je vois des anges qui t'attendent. Si elle récolte de la danse, cela attirera à coup sûr l'attention des grands hommes. J'aime bien la danse. Je me sens spéciale. Vite, Monsieur P. Les anges n'aiment pas les gros ballots. Monsieur P, je vois des... Je suis prête pour le dodo, Monsieur P. Trop petit, trop tard, Monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. Je suis prête pour le dodo, Monsieur P. Oh merde, j'aurais pas dû la faire exploser devant elle. Il faut y aller, Monsieur P. Sommes-nous ? D'accord, on est vraiment au niveau de l'objectif. Monsieur P. Allez, avance, avance, vas-y. Allez, allez, Monsieur P. Pas de temps à perdre. Les anges n'aiment pas les gros ballots. C'est ça. Et la petite sœur qui s'en sort. Hein. T'as pleuvé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut y aller, Monsieur P. Oula, la petite sœur est touchée là. Et moi aussi. Là, Monsieur P, il y a des anges qui veulent un bisou. Faudrait pas que je me fasse avoir. Des anges qui dansent dans le ciel. Ah, heureusement qu'elle a accéléré un petit peu, parce que sinon je pense qu'on on allait y passer la soirée là. Allez, vas-y. Je comprends pas pourquoi il tire dessus. Je sens de la danse. Et alors?
T'inquiète pas. Non, non, monsieur Pou. Les gens, j'aime pas les trop balles. Je vois de la peine, monsieur Pou. C'est un chial. Vite, monsieur Pou. Tu fais que compliquer les choses. Monsieur Pou. Il a l'air ici, monsieur Pou. Allez, allez, monsieur Pou. Ça va pas. Monsieur Pou, les anges n'aiment pas les gros balourds. Il faut y aller, Monsieur Pou. Je te suis. J'ai pas compris pourquoi il m'a attaqué. Ah, c'est peut-être lui qui l'a envoyé. Il vaut mieux que les petites soient avec toi, plutôt que toutes seules, isolées, dans les ténèbres rampantes. Allez, allez, monsieur Pou. Pas de temps à perdre. Une tortue. T'es trop lent, monsieur Pou. Les anges n'aiment pas les gros balourds. Et c'est elle qui me dit que je suis trop lent. Oh, j'en peux plus. Avance. C'est peut-être une dose énorme pour les travailleurs et les grandes maquettes. Mais j'en veux encore. Encore. J'en veux. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à s'injecter. J'ai pas envie de la laisser seule. Elle risque de crever. Monsieur P, je vois des anges. On va récupérer tout ça, les grenades, les trucs, on est full partout. Elle est où la gamine? Il faut y aller, monsieur P. Ah, c'est bon. D'accord. Donc c'est le combat final, hein, je suppose. Tu dois utiliser l'aiguille de la petite sœur pour prendre son adorable fontaine. C'est le seul moyen de le vaincre. Ah, d'accord. Merci. D'accord, donc c'est la fin du niveau là. Allez, on va y aller. Je pense qu'on est full, hein. On va se battre. Je me souviens du jour où je vous ai mis dans ce sous-marin avec la moche. Vous aviez à peine 2 ans, ouais. Vous étiez mon atout majeur. Mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. C'est ce qui fait le plus mal. La trahison. La vie ne se résume pas qu'aux affaires. Bon, on va le dégommer rapidement. Hein. On va aller sur un fusil à lance-grenade. Ça va faire boum boum, pack pack. Voilà, il va prendre cher. Et encore un temps de chargement. Oula, ouais, il est costaud lui, hein. Alors, drainer la dent de fontaine. Allez, maintenant, dans le mille aiguilles. Ah d'accord, j'avais pas compris le truc. Ok. Venez vous battre. Je vous ai payé une fortune pour vous. Et voilà ce que j'ai eu. Vous croyez que je suis seul dans ce monde? Alors, l'électrique, on va aller... Vous n'avez pas le temps de me protéger pendant que je recharge. Ah,
mon souffle. Après, je vous emmène. Et avec mes œufs. D'accord. Venez vous battre. Laissez-moi aider. Après, je m'occupe de vous. Je vous ai créé. Je vous ai envoyé là-haut. Je vous ai fait revenir pour vous montrer qui vous étiez. De quoi vous étiez capable. La vie que vous pensez avoir vécue, je l'ai imaginée et imprimée dans votre esprit. Si ce n'est pas ça, une famille, que vous faut-il de mieux? Et maintenant! Elles ont offert la ville. Et toi, tu as refusé. Et qu'est-ce que tu as fait à la place? Ce que tu as toujours fait. Tu les as sauvées. Tu leur as donné la seule chose qu'on leur avait volée. Une chance. Une chance d'apprendre, de trouver l'amour, de vivre. Et quelle a été ta récompense? À aucun moment tu ne l'as dit, mais je crois le savoir. Tu as gagné une famille. Eh bien écoutez, l'aventure touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a permis un petit peu de revenir sur le jeu après plus de 10 ans, le jeu n'a pas du tout changé, il est toujours aussi bon. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater les prochains Let's Play. Il y a bien sûr le Let's Play de BioShock 2 qui va arriver, bien sûr pas juste après pour éviter l'overdose, mais oui, dans quelques temps. Et ensuite BioShock 3 bien sûr. Et peut-être un BioShock 4 si jamais il sort un jour. Mais voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.